Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler un peu des bonus de connexion, de ce qu'on a eu concernant le live qui s'est déroulé la nuit dernière. Et on va aller voir ça tout de suite. Tout d'abord, on va parler un peu des bonus de connexion. Avant de parler des événements à venir, etc., etc. Donc, campagne du nouvel an. On a un petit bonus de connexion qui est ici, qui a démarré aujourd'hui. Donc on gagne des sacs de trésors qui sont échangeables dans le troc. Donc là, ici, on peut gagner tout simplement des fragments de personnages. Donc moi, je vous conseille d'économiser et d'acheter, d'attendre le prochain portail en espérant que ce soit Odin et Gold Roger pour les 1 an. Ils ont dit ouais, jusqu'au 15. Ben non, du coup, on pourra pas. Non, c'est dommage. Du coup, on a ça à récupérer. Le prochain événement qu'on aura également juste après. Après celui-là, attendez, ici, qui se terminera dans 3 jours. Donc, tout simplement, ça sera l'événement de Kaido Forme Dragon, un mode de coopération. Donc, je vais vous montrer un peu l'event, tout simplement. Et c'est parti. C'est l'event qui s'appelle les 1000 logs, si j'ai pas de bêtises. 3, 2, 1, go. Du coup, voilà, c'est le petit event de Kaido qui va bientôt apparaître. Comme ils l'ont annoncé, il va durer du 7 au 15. Donc, on va aller vérifier ça. Donc, attendez, c'est où? Plus quelques campagnes où on va gagner 30 diamants, 50 diamants par-ci, 50 diamants par-là. Et donc si on atteint les 21 000 RT, donc on a 7 jours pour les atteindre, on gagne 50 diamants. C'est là avec 5 000. Je sais pas ce que c'est exactement, je crois que c'est. Comment ça s'appelle? L'argent, donc les bounties. Et le dernier truc, je ne sais pas ce que c'est exactement. J'essaie de traduire, j'ai pas réussi. Donc là, si on fait 11 000 RT, on a 20. Si on fait 21 000 RT, on en gagne 50. Donc c'est l'événement des 1000 locks. Après, ils avaient annoncé un autre truc. Non, non, il n'y a que ça. Là, c'est l'événement qu'ils viennent de mettre par rapport au challenge battle. Plus le troc où on pourra avoir des pièces pour des transferts également. Donc, en attendant les nouveaux persos, qui seront annoncés d'ici quelques semaines. Concernant les 1 an du jeu, les 1 an du jeu, de ce que j'ai vu, normalement, ça sera en février. L'événement des 2 ans, ça sera en février. Février jusqu'à fin mars. Et du coup, en espérant
qu'on ne sera pas déçu par les événements, par les récompenses, par le reste. Bon, après, c'est vrai que pour le live qu'ils ont fait aujourd'hui, on a été un peu déçu. J'espère on espérait tous qu'ils balancent des teasers sur les prochains persos. Parce que sur Treasure Cruise, sur Sanson Storm et sur Pirate Warrior, ils nous ont annoncé Oden. Enfin, ils nous ont annoncé il y a quelques semaines Oden et Roger. Et sauf que pour là, on a eu quoi? Ace et Marco pour Bunchurch. C'est dommage. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je termine sur ça. Je vous tiens au courant. Je vais faire un petit test du. Comment il s'appelle? Du Marco. Du Ace et du Marco niveau 100 dans ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. Ciao, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Peace.